Les règles du freestyle, 80 secondes et 7 sauts spectaculaires pour convaincre 5 juges. Seront pris en compte la variété, la technique, l'originalité, l'amplitude des sauts et la réactivité du public. Les figures se nomment Tacarol, Blackflip ou Double Grab Indie et sont servies par la palette internationale de très haut niveau. Parmi eux, un Français, champion du monde 2013, deuxième au classement actuel, David Rinaldo. Je pourrais passer toute ma vie sur la moto, je suis plus à l'aise sur la moto que sur mes pieds, donc ça reste vraiment, premièrement déjà, rouler en moto, et après, si on peut avoir le spectacle et les gens qui sont autour, c'est juste énorme. Une étape surprise pour le public tourangeau. Cette nuit de l'extrême est l'aboutissement d'un long travail en amont. C'est compliqué surtout de faire venir cette manche de championnat du monde en France. Et effectivement, aujourd'hui, le challenge après 8 ans, c'était de pouvoir être la ville qui pouvait accueillir ces championnats du monde freestyle. Et le challenge était que le public réponde. Cette quatrième étape du championnat du monde a été remportée hier soir par David Rinaldo, devant l'Espagnol tenant du titre Melero et le Japonais Higashino.